Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Les ex-tolars et les anciens fugitifs reprennent les rênes du pouvoir dans le régime algérien. En Algérie, les ex-tolars et les ex-fugitifs parmi les anciens gradés reviennent en force dans la junte. Le duo Nezar Tawfiq remplace en effet tous ces hommes de main dans les secteurs stratégiques de l'État. Un seul héritier du clan du défunt Gued Salah échappe encore à la purge, Saïd Chingriha, pour combien de temps encore? Avant d'entamer ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau le bip qui vous invite à aller voir la nouvelle urgence. Cliquez sur la cloche, vous recevrez un bip. Le reste de l'acheminement de l'information vers votre téléphone portable, c'est Akhbar al-Bled qui s'en charge. Bonjour. L'escalade de la junte algérienne contre le Maroc cache mal la guerre clanique et le feuilleton interminable de la vendetta exécuté par le duo Nezar Tawfiq. Au Maroc, les chaînes du pôle public ne parlent quasiment pas de l'Algérie. En revanche, toutes les chaînes publiques algériennes ne parlent que du royaume, de son alliance contre nature avec l'entité sioniste, de manifestations de masse dans les villes du royaume, d'attaques quotidiennes des éléments du Polisario qui font des morts parmi les soldats marocains. Cette propagande qui suinte une haine impuissante n'a pas de limite comme en attestent les bulletins météo de la télévision algérienne. Le Maroc a en effet été banni même du bulletin météo diffusé par la télévision algérienne à l'opposé des autres pays maghrébins. Pendant que la junte est empêtrée dans la mécanique de l'hystérie anti-marocaine, les généraux à la retraite Khalid Nezar et Mohamed Medjane, dit Tawfiq, poursuivent le nettoyage systématique de l'armée algérienne, des officiers supérieurs qui ont servi sous les ordres de Gued Salah. Durant ces deux dernières années, le haut commandement militaire a été décimé à tel point que pas moins d'une trentaine de généraux croupissent actuellement dans les geôles militaires, sans compter des dizaines d'autres hauts gradés mis à la retraite ou morts de façon brutale. L'état militaire profond. Le régime algérien post-Bouteflika est aujourd'hui formé de deux ailes. La partie visible de la première aile est constituée par une façade civile, contrôlée par un chef d'état-major omniprésent. Abdelmjid Hachakoum est le président illégitime de la République algérienne et Saïd Chingriha le patron de la junte militaire qui détient les rênes du pouvoir en Algérie. La seconde aile du pouvoir, celle de l'ombre, qui représente l'état militaire profond, est formée par les généraux qui étaient à la tête de la chaîne de commandement pendant la décennie noire. Deux généraux à la retraite, Tawfiq, ancien patron de l'ex-département du renseignement et de la sécurité, DRS, et Khalid Nezar, ancien ministre de la Défense, durant les années 90 du siècle dernier, sont les seuls hauts gradés encore en vie, faisant partie du cercle restreint qui a décidé d'annuler les élections législatives de 1991. Et d'engager le pays dans une guerre civile sanglante qui a fait plus de 250 000 morts et déplacé plus d'un million de personnes. Aujourd'hui, le clan de l'ombre, naguère décimé par le défunt homme fort de la junte, le général Gued Salah, revient en force et place dans tous les postes sensibles des militaires qui ont soit été jetés en prison, soit fui l'Algérie pour y échapper. Un avant et un après Ain Amnas. L'on se souvient que Gued Salah avait ordonné l'arrestation du puissant chef des services secrets algériens, Tawfiq,
Après avoir incarcéré l'un après l'autre tous ses proches collaborateurs et acculé à la fuite vers l'Europe et principalement en Espagne, de nombreux autres généraux à leur tête le général Khalid Nezar, ce sont justement tous ces ex-tauliers et ces ex-fugitifs sortis de prison ou revenus de leur exil en Espagne qui ont pris le pouvoir en Algérie. Cette ancienne nouvelle junte a quasiment reconstitué aujourd'hui sa configuration des années 1990, car la plupart des anciens généraux qui ont servi durant la guerre civile de la décennie noire reviennent en force pour occuper des postes clés. C'est ainsi que le général Mehenna Djebbar est depuis octobre dernier à la tête d'une nouvelle structure dénommée Direction chargée de la lutte contre le terrorisme. En réalité, ce général de 72 ans, dont le nom a été associé à l'assassinat en 1996 des moines de Tibhirin et qui a dirigé la sécurité militaire DCSA de 1995 à 2013, est pressenti pour devenir le prochain patron du DRS qui pourrait être bientôt rétabli par un décret présidentiel signé par Abdelmjid Hachako. Mehenna Djebbar sera probablement épaulé par l'ex-bras droit de Tawfiq, le général Hassan, alors même que ce dernier est l'un des acteurs de l'effondrement de l'État algérien après le carnage qu'il a commis contre les otages, étrangers pour la plupart, détenus par des terroristes lors de l'attaque du site de la plateforme gazière de Tirntourin, à proximité de la commune d'Ain Amnes. En janvier 2013, un fiasco qui a dévoilé au monde entier l'incompétence de l'armée algérienne et a profondément modifié la perception qu'avaient nombre de puissances sur l'Algérie. Un diplomate étranger accrédité dans une chancellerie à Rabat confie, interrogé par un média marocain, « Mon pays a complètement reconsidéré la place de l'Algérie en Afrique du Nord. » Après la prise d'otage d'Ain Amnes, le régime algérien a non seulement apporté la preuve qu'il était incapable de défendre ses frontières, mais son intervention catastrophique a ruiné le capital dont l'a crédité de nombreuses puissances. Selon ce diplomate, il y avait un avant et un après Ain Amnes. L'arrestation du général Hassan en 2015 et sa condamnation à 5 ans de prison sont à l'origine du premier communiqué rendu public par Tawfiq pour défendre son proche collaborateur. À notre revenant, le colonel Abdelkader dit Nasser Jinn, ancien fugitif en Espagne, a été nommé récemment patron du centre principal des opérations CPO, dite caserne Antar, sinistrement connu pour être un lieu de torture relevant de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Nasser Jinn a fait l'essentiel de sa carrière au sein de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, du temps où il était le bras armé de l'ex-DRS dans le traitement des réseaux présumés terroristes des années 90. Le diable a aussi piloté le centre principal militaire d'investigation, un centre de torture et d'exécution extrajudiciaire, 6 à Blida durant la décennie noire. Pour sa part, le colonel Hussein Hamid, alias Boulahia, qui était lui aussi un fugitif en Espagne, également réhabilité, vient d'être nommé à la direction de la documentation et de la sécurité extérieure. L'Algérie nouvelle que vante le régime est un étonnant remake de l'Algérie des années 90 du siècle dernier. Une vengeance qui rend aveugle. La recomposition presque complète de ce clan n'augure rien de bon pour Abdelmjid Hachakoum, qui reste l'homme de Gaid Salah, celui-là même qui a humilié Nezar et Tawfiq. L'humiliation ressentie par ces deux hommes est tellement forte qu'elle les a engagés dans une vengeance aveugle contre les hommes de Gaid Salah
Pour avoir une idée de l'humiliation ressentie par Tawfiq, par exemple, il faut remonter à 2019. La famille de Tawfiq a lancé un cri de détresse dans une lettre publique où elle se plaint des conditions de détention de l'homme que l'on surnommait Rabb Dzaïr, littéralement le dieu de l'Algérie. Dans cette lettre, la famille faisait part d'une chute de Tawfiq dans le centre pénitentiaire de Blida qui a occasionné une fracture complexe de l'omoplate droite. Or, le tout-puissant Tawfiq subit alors une intervention chirurgicale dans une structure légère relevant de la première région militaire, loin d'être équipé pour ce type d'accident, alors que son état, compte tenu de son âge et de sa situation, nécessite une prise en charge spécialisée à l'hôpital militaire de Ain Najja, qui aurait été plus appropriée pour la qualité des soins, faisait remarquer sa famille dans sa lettre. Quelques semaines plus tard, les trois enfants de Mohamed Mediane lancent une pétition pour demander la libération de leur père. Dans cette pétition, le général Tawfiq, chef de tous les services de renseignement en Algérie, est décrit comme « il faut se retenir de pouffer de rire, un détenu politique et d'opinion ». Dans cette pétition, son fils Sidi Ali et ses deux filles Nasila et Sabrina Mediane pleurent en public leur papa, un outrage que rien ne peut effacer. Une fois qu'on a pris la mesure de l'humiliation de deux très puissants généraux, l'un acculé à la fuite, l'autre incarcéré dans les pires conditions, on comprend dès lors que leur soif de vengeance dépasse toute autre considération. Le général-major Mohamed Khaidi, pourtant très populaire, l'un des rares rescapés de la purge qui a frappé les hauts gradés qui ont servi sous le commandement de Gaid Salah, a été arrêté et limogé au début du mois de novembre. Son éviction a provoqué un choc dans l'armée algérienne. Aujourd'hui, qui parmi les généraux qui ont servi sous le commandement de Gaid Salah est encore en poste? Le commandant des forces terrestres, le général Saïd Chingriha. C'est la seule présence qui rappelle aujourd'hui au duo Nezar et Tawfiq que leur vendetta n'est pas encore complète.